Et oui, on se retrouve ici au Moulinex Stadium avec Hervé Matou. C'est parti, le coup d'envoi est donné pour les Wolves à domicile face aux Reds de Liverpool. Objectif prolonger cette série d'invincibilité complètement folle hein, que nous réalisent les Loups. Attention Coste avec le pressing de Liverpool qui passe devant avec Elmas. Vieira, la transmission pour Zaniolo. C'est contré une extrémité, c'est Coste qui va pouvoir relancer sur Rodrigo, c'est fort, mais attention à la contre-attaque. Et oui, parce que Liverpool a mis beaucoup de force en avant, Hector Leclerc qui trouve Rivière sur le côté. Le Français en retrait avec Godard, Hector Leclerc à nouveau pour Geoffrey. Geoffrey tout seul et qui marche en premier but en première ligue. Le tout premier but pour Geoffrey sous les couleurs des Wolves. En première ligue, il avait déjà marqué en coupe, il a eu bien marqué son premier but dans cette première ligue et un match extrêmement important face à Liverpool. Donc 1-0 ici à domicile au Molineux Stadium, le gardien est complètement aux abois et c'est toute la défense de Liverpool qui était au pressing à l'avant et derrière le milieu s'est fait transpercer la contre-attaque folle avec Rivière et Hector Leclerc sur le côté gauche qui retrouve Geoffrey. Il n'a plus que à défier le gardien et à marquer son premier but en 25 confrontation de première ligue. Liverpool est mené à 0 ici au Molineux Stadium. Hector Leclerc qui va être retrouvé, attention, attention à pas subir un second but dans la foulée. Hector Leclerc avec Reyna, tout seul, il y a Rivière, et il est marqué, alors là, il va frapper lui-même, et Reyna, goal, 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 2-0 pour les Loups, ici au Molineux Stadium, deux buts coup sur coup. Et oui, en conférence de presse, ça disait que cette équipe ne marquait plus, c'est vrai que les derniers résultats étaient un petit peu compliqué avec des 1-0 face à Norwich, 2-2 face à Brighton, des matchs compliqués, des victoires arrachées sur le fil. On se rappelle de l'égalisation à la toute dernière minute face à Arsenal ou encore face à Brighton. Et bien déjà deux buts ce soir et l'attaque des Wolves semble être en forme pour ce soir. 32e minute, 2-0 ici à la maison, rien ne les arrête. Et attention Rodrigo qui est pressé, hein, le Liverpool qui garde son pressing haut. À cette 40e minute, après avoir pris deux buts coup sur coup, et s'est dégagé rapidement. Et voilà, le milieu qui a à nouveau transpercé. Hector Leclerc qui est retrouvé. Il va défier la défense. Reyna pour une balle de doublé. Et non, il a donné à Leclerc qui va marquer un nouveau but. Le meilleur buteur de première ligue. On se rappelle, hein, seulement un but en 6 rencontres de première ligue. Et tout le monde le disait déjà partant, le voyait déjà partir de cette équipe parce qu'il n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Et ben voilà, ce soir il marque un nouveau but et il nous fait une saison exceptionnelle depuis la 7e journée où il s'est libéré, notamment face à Manchester United. Après il avait suivi d'un triplé et ce soir il marque un nouveau but et 3-0 pour la mi-temps. C'est parfait pour les Wolves qui mènent donc 3-0. Et retour des vestiaires. Liverpool qui donne le coup d'envoi mené 3-0, on le rappelle. Ça fait mal pour Liverpool qui visait la seconde place. Ça va être compliqué maintenant. Génie qui se fait prendre la balle par Geoffrey. Attention, c'est vite perdu ce ballon. Hector Leclerc qui va retrouver Geoffrey bien sûr. Geoffrey, imaginez le doublé. Imaginez-le, et bien c'est fait. Le doublé pour Geoffrey. Il n'avait jamais marqué en première ligue. Et soit il marque deux buts face à Liverpool. Deuxième de première ligue qui vient prendre un quatrième but ce soir, c'est beaucoup pour la défense des Reds bien évidemment. C'est, il me semble que c'est la quatrième frappe pour les Wolves, 4 buts, attaque on fire comme on dit, 4-0 ici au Molineux Stadium. Ouais, ça fait 4-0. Liverpool va falloir se ressaisir. Oh là là, c'est déjà perdu. Son Crébo qui est rentré à la mi-temps avec Baker également. Geoffrey à nouveau. Rivière, Hector Leclerc, c'est pas possible. Quel but, 5-0, 2 buts coup sur coup. Un peu comme en première période. Hector Leclerc qui a marqué un doublé. 5-0, c'est beaucoup trop. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que Merino devrait rentrer. Sûrement à la place d'Hector Leclerc. Donc, il aura eu le temps de marquer un doublé dans cette rencontre, juste avant de sortir. Oh là là, le face-à-face remporté. Et la sortie d'Hector Leclerc pour l'entrée de Merino. 5-0, mais c'est
C'est une correctionnelle que Liverpool prend, ils n'y sont pas du tout. Allez, enfin une attaque pour Liverpool. Zanolo avec Guerra. Guerra, c'est bien défendu, mais encore mal avec Zanolo. Le double 2. Guerra qui est trouvé. Génique, la frappe et l'arrêt d'Albon Lafont. Oh, attention, la tête derrière et Albon Lafont. Qui peste un petit peu envers sa défense à l'heure de jeu. Le pressing sur Costa. Attention, parce que je sais pas que Liverpool fait un pressing haut comme ça. Même s'il est à Lafont, il est pressé. Il arrive à trouver Gonçalves quand même. Le problème, c'est que Liverpool presse tellement haut que derrière, il n'y a plus personne. Et regardez, en 2-3 passes, en 2-3 passes, on est déjà dans le camp adverse avec Coste sur le côté. Il va rapiquer dans l'axe avec Reyna. Et lui aussi. Lui aussi, il va de son doublé. Reyna. 6-0. Incroyable. 6-0. Les Wolves qui nous réalisent leur plus grosse performance de la saison. Ils avaient un 5-0. Ils ont 2-4-0, si je dis pas de bêtises, cette saison. Et là, en tout cas, c'est leur premier 6-0. C'est vrai que le dernier match, il a marqué un but, des fois deux buts, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Et bah, ce soir, il n'y a rien de compliqué du tout. 6-0 face au deuxième de Premier League. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable, incroyable rencontre. Ouais, enfin, Liverpool qui se porte de l'avant avec Owen. La frappe et la détente d'Albon Lafont. Il y aura un corner pour Liverpool. Lafont qui relance. Et regardez où ils sont, le tacle de Gosselin, le joueur prêté par les Wolves, Gosselin, qui prend seulement une sacrée déculottée, et Merino qui lance en profondeur, Merino qui est rentré en la rappelle, à la place de Leclerc qui va aussi de son but, 7-0 pour les Wolves, et Merino qui va marquer un nouveau but en première ligue, ça va lui faire du bien, monsieur Europa League qui en première ligue nous marque très très peu. Bah voilà, ce soir il va également de son but, 7-0, je ne voudrais pas être à la place de l'équipe de Liverpool ni des supporters parce que là c'est délicat, vivement que ce match se termine pour cette équipe. Ouais, ça revient directement le ballon. Godard qui se relance, regardez, ils sont 6 joueurs de Liverpool à chaque fois dans le coin adverse, mais il n'y a personne au milieu, il n'y a personne en défense, et Merino qui envoie Baker, et il y aura une balle de 8-0 à la 92e minute, c'est trop. 8-0 pour les Wolves, c'est beaucoup trop, ils sont au milieu du stadium, c'est sûr que les supporters des Wolves peuvent être heureux. Quelle rencontre explosif, 8-0. Bah, c'est rare, c'est très rare qu'on voit ça dans le football et en première ligue. Ouais, c'est beaucoup trop. Baker qui vient atomiser une dernière fois Liverpool, ouais, c'est fini, on en finit là-dessus. 8-0, quelle prestation des Wolves. Au Money Next Stadium, il n'y a pas eu de match, pas eu de défi. Liverpool a voulu jouer haut, mais c'est complètement manqué. Le doublé de Reyna, le doublé de Geoffrey, le but de Leclerc, de Merino. Et donc de Baker à la 90, plus 3.